Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'album. Donc en fin de vidéo, ben, comme d'habitude, je vous présenterai le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Voilà, bon visionnage. C'est un petit album qui peut contenir 40 photos, donc il y a 30 photos en format 10 par 15 et il y a 10 photos en format 9 par 13. Donc bien qu'il soit petit, il a quand même pas mal de photos. Donc là j'ai utilisé un gros aimant, alors il se voit, enfin il se voit, comme il est gros, je veux dire, il y a une petite épaisseur, voilà. Parce que pour que ça puisse tenir, effectivement c'est un gros aimant. Je vais vous montrer... comme ça, voilà. Donc il fait 2 mm je pense en largeur seulement, c'est des ouais c'est des 2 mm donc ils sont un peu larges, mais en tout cas ils sont solides, ouais. Donc pour accrocher le carton il fallait vraiment quelque chose de solide. Bon, pour le papier que j'ai utilisé, donc c'est un papier qui vient de chez AliExpress, donc c'est ce papier là que j'ai acheté il y a au moins, je pense, 2 ans. Donc, je pourrais pas vous donner les références. J'avais pris 2 blocs à l'époque. Il y a 24 feuilles dans un bloc. Il m'en reste encore. Hein. Je pourrais en refaire un largement avec ce qui me reste. J'ai complété donc avec une feuille comme ceci. Donc, parce que comme il y avait du vert dans les petits papiers, dans certains papiers, voilà, ceux-là, c'est le même vert. Donc, j'ai pris ce vert-là. Alors c'est un bloc de chez Action, mais je me rappelle plus lequel. J'ai essayé de le retrouver pour vous le montrer, mais malheureusement j'ai pas réussi à retrouver parmi tous mes blocs de quel bloc j'ai pris cette feuille. Je me rappelle plus, vraiment je me rappelle plus, mais c'est un bloc de chez Action. Et ce papier là et celui là aussi viennent d'un bloc de chez Action. Alors celui là je vais le retrouver, c'est celui-ci, voilà, c'est ce papier là et ce papier là. Donc voilà. Et après j'ai contourné là.
J'ai certains papiers qui sont unis, voilà. Donc, bah, c'est des papiers que j'ai dans ma scrap room, donc c'est pareil. Hein. Je pourrais pas vous dire de où ils proviennent, ces différents papiers que j'ai. Pour les petites flippettes, alors les petites flippettes, je les ai faites moi avec ça. Donc, j'avais acheté, je sais plus sur quel site, voilà, un die pour faire différentes flippettes, donc dont celle-ci. Alors moi, je la fais d'abord sur du papier. Alors, je prends les dos des blocs de chez Action, voilà, qui est un peu dur. Je le fais d'abord sur ce papier-là pour avoir des petites. Allez, j'en ai d'avance, voilà. Et après, je refais une seconde fois la couleur du papier que j'ai choisi. Donc là, j'ai pris gris puisque j'avais du gris un peu partout, donc j'ai fait des flippettes grises. Elles sont assez larges, elles tiennent bien, et comme le papier est un peu épais comme ça, ça tient bien. Donc, je vais vous montrer si j'arrive à trouver. Hop, je la pose là. Je regarde si je trouve. Ouais, voilà. Hop, vous voyez, il y avait différents modèles. Voilà, ça devait être le lot complet. Donc il y a celle-ci qui est un peu grosse. J'ai celle-là. Alors celle-là, j'ai essayé, parce qu'au début je voulais mettre des petites comme ça. Mais je trouve que le trou est quand même très gros. Donc une attache parisienne comme ça, j'ai peur que ça soit pas assez résistant. Parce que pour le coup, le truc est vraiment très fin. Enfin, voilà. Donc ceux-là sont vraiment fins. J'en ai fait une autre pareille comme ça. Mais voilà, alors ça, je pense que je m'en servirai plus pour faire des petites décos plutôt que des flippettes, parce que c'est quand même, je trouve, très fragile. Voilà, très fragile. Mais je regarde si j'en ai d'autres. Non. Mais voilà, je trouve que par contre, celle-ci, je sais plus ce que j'en ai fait. Ah oui. Je trouve que celle-ci, bah, elle est parfaite. Voilà, c'est une bonne dimension. Elle est très bien. Après, il y en a des plus petites qui pourraient le faire. Celle-ci, ça fait des petites étiquettes, mais ça peut le faire aussi, je pense. Voilà. Ben voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Alors après, évidemment, hein, toutes mes petites décos, je les fais avec toujours les mêmes choses. Voilà, j'ai différentes. Hop, voilà. Donc j'en fais de différentes tailles, dans différentes couleurs, et voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que j'en perds au fur et à mesure, parce que j'ai tendance à malheureusement les balancer un peu à la poubelle sans m'en rendre compte. Alors j'en rachète régulièrement. Mais voilà, je les fais avec ça. C'est des petites décos que je trouve sympa pour finir un album. Et ben voilà. Alors, est-ce que je ferai un tuto pour cet album? Très franchement, je ne sais pas. En tout cas, pas maintenant, parce que là, je vais être en vacances et je vais en profiter un peu pour me poser. Donc, le scrap, pour le moment, va être mis un peu de côté. Je vous retrouverai au mois d'août, certainement pour un prochain tuto. Mais il n'y aura pas de tuto ou d'autres vidéos sur le mois de juillet. Voilà, j'ai moi aussi besoin de me poser, de vider ma tête, même si j'adore le scrap. Il y a des moments où il faut savoir aussi se poser. Donc je vous dis à très bientôt, bonnes vacances pour celles qui le sont, et je vous retrouve bientôt. Allez, bye bye.